Bonjour à tous et à toutes. Voilà, nous sommes le jour J. Voilà, j'ai attrapé des démangeaisons. Mais ça, je pense que c'est le stress. Écoutez, on y va, on verra bien. Voilà, nous sommes le vendredi, le mardi 30. Jour J, hein, il est 9h moins un quart. Le taxi vient me prendre pour 9h. Un quart et j'avais oublié de faire une petite ouverture de courrier. J'ai reçu deux courriers hier, une de Corinne S et une de Sophie Scrap. Voilà, je vais le faire tout de suite, comme ça sera fait, comme ça quand je rentrerai de l'hôpital. Oui, alors pour celles qui ne savent pas, je rentre pour la troisième fois pour me faire opérer du foie. Là, ils vont me faire par radiofréquence, c'est-à-dire la créalisation, ou un truc comme ça s'appelle comme ça. Ils vont brûler, ils vont creuser et ils vont envoyer en biopsie pour les résultats, pour savoir si c'est cancéreux ou s'il reste encore des trucs et des machins. Et bah, je ne vous dis pas que je ne suis pas angoissée. Si, je suis angoissée. Après, bon, voilà, hein, il faut y aller, il faut y aller. Alors, je fais mon ouverture avant que parce que comme il y a grève d'agriculteurs, il y a grève de tout. Alors, je vais ouvrir par le courrier de Corinne Manco. Sur ce rupture, c'est Corinne Manco. Alors, hop. Waouh. Très joli. J'aime beaucoup, beaucoup. Et elle m'a fait une note ici. Avec un petit renard. J'aime beaucoup. Meilleur vœu blanc. D'accord. Tu vois, tu aurais pu participer à l'ATC de Kat. Hein. Il est magnifique. Hein. Le 10 janvier, et Corinne Manco. Elle m'a mis des stickers comme je les aime. Vous savez, les stickers autocollants. Voilà. Elle m'en a mis, je sais pas, une dizaine. Hein. Voilà, je ne fais pas trop. Je vous dis mon. On a scrappé hier ensemble. Hein. On a fait ça. On a fait une ledite enveloppe comme ça. Et voilà mon ouverture. Voilà. Merci Corinne. Merci beaucoup pour ton envoi de meilleurs voeux. Moi aussi, je te souhaite, je te l'ai déjà souhaité, mais je te re-souhaite en vidéo bah, plein de bonheur, plein de bonnes choses, la santé surtout. Parce que sans la santé, tu vois, on n'a pas grand-chose. Et la petite ATC, voilà. J'en suis sûre qu'elle aurait participé au challenge, pas au challenge, mais au. J'aime beaucoup sa découpe, là, avec les petits cœurs. Oh, j'adore. Oh, je vais demander quelque chose. Si elle veut bien m'en faire dans du papier aquarelle. Oh, je vais voir si je peux. Je verrai avec elle. Hop. Et là, nous avons ces deux Sophie. Alors, ces deux Sophie Scrap. J'essaye de pas trop abîmer l'enveloppe. Au moins ce qu'il y a dedans, quoi. Il faut que j'aille chercher des enveloppes comme ça à Bureau Vallée. Waouh, mais c'est magnifique. C'est magnifique. Alors. Oh, elle est magnifique, cette carte. Je vous la montre. Voilà, c'est tout le style de Sophie. Hein. C'est tout le style. Oh, bah, elle m'a écrit un roman. Oh, elle m'a écrit un roman.
Sophie, qui est toujours dans ma boîte aux lettres aussi. Alors, c'est des cabochons à coller. C'est des capsules cabochons. Elle les a fait. Elle fait avec du papier. Je l'ai vu faire. Alors, que je vous montre. Ben non, on voit rien. Alors, je suis obligée d'enlever, hein. Je vais enlever comme ça, tout doucement pour pas abîmer le petit truc, le petit machin. Voilà Sophie, tu vois, je ne l'ai pas abîmé. J'ai gelé cette découpe, elle est même quelque part dans le coin. Regardez comment c'est beau. C'est magnifique. C'est trop, trop beau. Elle a la machine pour faire ça. Et merci d'avoir pensé à moi, Sophie. C'est avec du papier. Ouais. C'est trop, trop joli. Magnifique, Sophie, magnifique. Merci d'avoir pensé à moi. Je vais te lire. Ouais, mon courage et ma volonté, tu sais, des fois, hein, oui, je sais que la positivité, oui. Merci, bah, c'est le jour même de l'intervention que je suis en train de te dire. Je sais que tu penses beaucoup à moi. Ce n'est pas grave, profite des tiens et mes vidéos, ils n'ont aucune importance. Oui. Oui. C'est vrai, l'amour de la famille, c'est sacré. Moi aussi, Sophie, je pense beaucoup à toi. T'es une personne tellement, comment on dit, t'es une personne serviable, aimable, courageuse, parce que tu l'es, vu ta situation. Tu as toujours un petit mot pour les autres, et moi, j'ai deux, moi là, j'ai deux personnes qui m'encouragent, mais... Corinne, tous les jours, elle m'envoie un petit message. Comment tu vas, Maria? Sophie, elle a toujours des mots gentils. Voilà, c'est tout un... Du coup, je laisse tout sorti comme ça, parce que quand je vais rentrer de l'hôpital demain, j'espère sortir demain, si tout se passe bien, il n'y a pas de raison. Et ben voilà. J'espère être avec vous, mais si j'ai le temps, je vous ferai un short pour vous dire comment je vais. Bien sûr, faites pas trop attention à ma tête. J'ai plus de... Vous voyez, aujourd'hui, je ne fais pas avec les chichis, des machins, parce que j'ai même enlevé mes bagues, parce que l'opération, ils n'en veulent pas. Et voilà, je vais monter, je vais me préparer, parce que le taxi va pas arriver, il va pas tarder à arriver. Et la dernière pensée que j'ai eue ici, dans mon atelier, c'est vers vous. Et puis, à très bientôt. Ciao. Je ne voulais pas pleurer, mais c'est l'émotion, c'est comme ça. Il faut que ça déborde. Allez, je vous fais des gros bisous et à très très vite.